Allez hop, chaud patate. Donc nous sommes devant le château. Devant le château de Tokugawa, enfin qui était avant le château de Wapol. Et Wapol, qui est au sud en ce moment même, veut récupérer son château. C'est pas très bien, on va l'en empêcher, ce salaud. Non, dégagez, dégagez. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je dois aller en bas, mais je peux pas. Merde. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Non, toujours pas. J'arrive pas à faire le combo que je veux. C'est magnifique. Voilà, magnifique. Et donc aussi, vu que ça fait quand même quelques fois que j'en parle, niveau type de fruit du démon qu'on peut avaler, Chopper est donc le troisième type, le Zoan, le type animal. Sauf que lui, bah, c'est pas de bol, il a mangé celui d'humain. Voilà, voilà, c'est pas de bol. Voilà, un cerf qui mange de l'humain, non. Un cerf qui mange le fruit de l'humain, forcément, il devient plus humain. Mais il est pas totalement humain non plus. Enfin, pour les gens. Alors qu'on peut rencontrer des bêtes aussi monstrueuses que... Enfin, beaucoup plus monstrueuses que lui, ça dérange personne. Mais Chopper, par contre, un petit renne, là, c'est horrible. C'est quand même un peu con, quand même. Enfin, bon, après, voilà. Bon, après, il y a eu l'horreur de Barbe Noire qui est passée aussi, voilà. Mais le problème, c'est... Enfin, le problème, c'est quand on parle pas trop de Barbe Noire, en fait. C'est juste dit dans un... Au début de l'arc. Et après, on entend plus parler de Docteur... Docteur. De Barbe Noire. Enfin, sur cette île, en tout cas. Oui, parce que, spoiler, on va en parler de Barbe Noire plus tard. Hein. Gros spoiler, hein. Enormous spoiler. Ouais, je parle latin. Des fois, ça m'arrive. Bref. Non. Niquez vos mères. Ouais, Gomu Gomuno, Raifuru. Ouais, je parle japonais aussi. Niquez vos mères. Ouais, je parle japonais aussi. Oui, c'était japonais. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Pompée de bouton. Alors oui, l'assassin, c'est lapin Garou. Enfin, pas Garou. C'est lapin que j'ai parlé tout à l'heure. Qui sont en fait, normalement, n'interviennent pas pendant la bataille finale hein, contre Wapol. Mais là, ils sont dit, on va quand même les intégrer. Voilà. C'est cool, mais bon, ça sert un peu à rien. Mais bon. Ils sont là. Voilà. Mais par contre, c'est une mission que je dois faire, c'est les protéger. Je dois les protéger sa race. C'est pas écrit, mais c'est dans la chasse au trésor. Hein. La chasse au trésor, c'est simple, hein, c'est avec le fil de son. C'est protéger les lapins et tuer Wapol. Enfin, tuer Wapol. Là, je dois pas le protéger, je dois le battre, le lapin. Voilà. Voilà. Nique sa mère, le lapin. Voilà. Au revoir. Parce que là, il était méchant, en fait. Là, c'est juste quand... Là, c'est quand bon, j'interprète ça, c'est quand les lapins sont méchants et qu'ils veulent faire tomber l'avalanche sur le fils Sanji, tout ça. Merde. J'ai passé le dialogue, je sais pas. Oui, Chopper. Chopper, qui est donc mi-animal, mi-humain maintenant, parle aussi aux animaux. C'est plutôt pratique quand même, ça. Eh oui. Et oui, et donc le rêve de Chopper, c'est de créer une panacée. Enfin, un panacée ou une panacée? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est. Je crois que c'est une panacée. Je sais pas. Tout le monde s'en fout. Un remède pour guérir toutes les maladies du monde. Voilà. C'est son rêve. Et c'est beau. C'est impossible, mais c'est beau. Oui, tu vas pas guérir le cancer comme tu guéris le sida, quoi. Enfin, voilà. J'ai dit un truc un peu extrême, hein, c'est pareil, tu vas pas guérir un rhume comme tu guéris une gastro, voilà. C'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ah oui, est-ce que j'ai parlé de Wapol? Non, j'ai pas parlé de Wapol. Wapol, il a mangé aussi un fruit du démon, forcément, sinon c'est pas drôle. Le fruit du démon du glouton. C'est-à-dire qu'il peut manger tout ce qu'il veut. Du fer, du bois, n'importe quoi. Et tout ce qu'il avale, il l'intègre dans son corps. C'est-à-dire, par exemple,
il mange un canon, il a un canon qui sort du bide. Pratique, hein. Il y a un truc aussi assez glauque aussi enfin, c'est glauque. Moitié glauque. C'est que aussi, il avale ses... il a, pour la bataille finale contre Luffy, enfin là c'est plutôt contre Chopper, plutôt. Contre Chopper, en fait, il a deux... Il y a deux sous-fifres, deux sbires qui sont assez forts, l'un et l'autre, mais qui sont moches. Très moches, c'est pas grave. Et en fait, Bois de Paul les avale pour les recracher et pour les fusionner. Du coup, j'avoue que la fusion des DBZ, c'est un peu mieux, je trouve. Hein. C'est pas dégueulasse. J'avoue que c'est pas dégueulasse. Ah oui, voilà. Donc maintenant, les lapins sont avec nous, donc. Je dois les protéger et en même temps, ils nous passent un petit passage secret pour pouvoir sauver leur copain qui sont là, enfin qui est là. Enfin, pour sauver leur copain qui est là. Savoir mettre les pronoms où il faut, c'est bien. Ça peut être pratique des fois. Ouais, calme-toi. Calme-toi bien là. Hein ? Calme-toi bien, Zed. Ah oui, du coup, je peux les. Non, je peux pas les battre tout de suite, Wapple. Le chemin n'est pas encore libre. Non, je dois juste libérer le lapin. Et après ça ira. Ouais, Garou. Garou si tu veux. Si, je peux passer par là. Si. Ah non, ça vient de se libérer le chemin. Pas de soucis. Je comprends ce qui se passe. Non, je déconne. Merde, au secours. Merde. Bon, on va y aller vite fait. Bonjour. Arde-moi. Gâché. Donc voilà, en fait on devait aller voir Wapol juste devant lui pour dire. Juste pour voir cette conversation. Cette conversation qui fait que en fait. Chopper comprend enfin que le terme monstre n'est pas forcément péjoratif. Pour lui, bon, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas. Qui ne se sociabilise pas avec les humains. Alors que Luffy, bon, lui, c'est un monstre aussi quand même, hein, faut pas déconner. J'adore cette attaque. Oui, voilà. C'est quoi si il peut m'avaler le Wapol là. Salaud. Petit salaud. Voilà, bim. Magnifique. Ça va, l'attaque n'était pas gâchée. Tout va bien. Merde. Oula, ça monte, c'est dangereux ça. Danger de fuite. La vache. Vite. C'était. Non, m'en fous. Voilà, putain. Je me trompe. Tout est blanc. J'adore la neige, hein. J'adore la blancheur de la neige, mais là je me gourre dans les chemins, du coup c'est chiant. Voilà. Alors Dr. Kuroya n'est pas intégré en 3D dans le jeu, c'est dommage. Mais au moins il y a sa voix. Voilà. Mais il n'y a pas la 3D. Non. D'ailleurs l'image que vous ne avez pas vue, du coup je me taire. Non, il y avait une image en fait pendant la... Une image de Kuroya avec Chopper derrière, mais... Kuroya était comme ça aussi, du coup, voilà, c'est pas... Voilà. Ils ont pas fait deux images pour Kuroya, quoi, ils se sont pas fait chier, quoi. Voilà, ah, il parle des Loulouks, hein, évidemment, hein, ils voulaient sauver le royaume, c'est Loulouks, évidemment. Oui, parce que oui, aussi, c'est pas dans le jeu, mais enfin, presque, pas encore, on verra ça à la fin. Mais en fait, Wapol essaie de détruire le drapeau de... Le drapeau des Loulouks que Loulouks a créé. Mais Luffy s'interpose. Et ça, c'est beau. Parce que oui, on ne détruit pas un drapeau pirate quand on ne sait pas ce que c'est. Parce que je vous rappelle qu'il a été pirate pendant un instant. Et qu'il ne sait pas ce que c'est qu'être un pirate. Et bah non. Parce que c'est un putain de roi et qu'en fait, il sert à rien, ce mec. Voilà, Wapol, il sert à rien. Bonjour. De toute façon, c'est juste un méchant, on le reverra pas. Voilà, basta. Ouh, ah là, basta. Oh, mon dieu, c'est bon. Bref. Voilà, donc là, en fait, on doit prendre tous les territoires ennemis. Tous les territoires qui sont là, en Toureille. Pour empêcher que Wapol se cache là-bas. Se cache. Et bien sûr, évidemment, le dernier... Non, il n'y a pas le dernier, non. Voilà, les lapins sont sauvés, chasse au trésor fini, c'est magnifique, oui. Ah, c'est l'avalanche, du coup. C'est ça. Là, il parle de l'avalanche. Mais l'avalanche, en fait, normalement, c'est contre...
Ah mais vidéo, un modèle 3D. Mon dieu, c'est choquant. Quand tu penses qu'il y a lapin, un modèle 3D et pas le docteur Kurira. Voilà, je tiens à dire ça. Et j'avais pas vu que sa capuche était en forme d'hippopotame. Je suis teubé. En même temps, Wapol, je suis pas très fan. Hein. Je pense que personne n'est fan Personne n'est fan de Wapol. On peut pas. Personne ne peut aimer le personnage. Il est juste détestable. C'est tout. Impossible. Impossible d'apprécier quelqu'un comme ça. Oula, il y a pas de monde là ici. Voilà. Et que saut. Pareil. Et il y a du tout. Je vous rappelle. Pour avoir le 100% ici, il faut qu'aucun villageois ne se fasse tuer. Enfin, qui veut qu'un villageois. Qu'un villageois important. Là, s'il y a un villageois qui meurt comme ça, je suppose que c'est pas important. J'espère en tout cas. Si on a un qui meurt, là c'est plus grave. Allez. Ça coûte faire un peu de ménage ici. Et aussi, si le château de Rome se fait prendre par les méchants, ben c'est... Là, la mission est finie, hein, là... Totalement, là. Alors, attaque multiple. Chop. Ah, putain, j'ai pas expliqué ça. Oh, mon dieu, c'est horrible. Donc, Chopper, donc, a mangé le fruit de l'humain. Hein, voilà, ça j'ai dit 3 mots, 3 ou 4 fois, c'est pas mal. Et du coup, en tant que mangeur de fruits de Zoan, il peut se transformer en... 3... Merde. Oh, pas trop merde, non, j'ai pas dit ça. Non, il peut se transformer en 3 formes. Soit la forme qu'il a de base, donc le petit Chopper tout mignon, soit en forme reine, soit en forme humain. Chopper, avec ses années d'expérimentation, ses années d'expérimentation médicale, oui, ça si, putain, j'ai dit une phrase en français. avec ses années de pratication médicale, il a concocté un petit médicament qui décuple ses transformations. C'est-à-dire qu'il passe de 3 transformations à 7. Et il ne l'a pas fui. Merde. C'est pas grave. On s'en bat les couilles. Oui. Oula, il y a du monde ici. J'aime bien. Chopper ? Vas-y. Je sais pas combien on en est de bord. Ouais, ça doit pas suffire. Dégage. Voilà. Et donc les transformations sont beaucoup plus puissantes. Sauf qu'il peut faire que c'est que la Rumble Ball en fait. La Rumble Ball, comment il s'appelle cette boule, cette petite boule dorée de médicaments. Enfin, son organisme la digère en fait, en 3 minutes. C'est-à-dire qu'il peut utiliser ses 7 transformations en 3 minutes. Ce qui est assez pour pour fouiller les boss, quoi. Voilà. Ou pas, on verra. Ça c'est beau. Bon bref. Et du coup, Chopper, il est quand même fort. Hein. Malgré qu'il soit un peu trouillard, mais bon, ça après, c'est Chopper. Niveau trouillardise, je pense qu'il équivaut largement aux autres. Voilà, ça c'est beau. Ah, cinématique, ma gueule. Bravo, Koku Kenpo, Dai Jiyo! Osama no omoi doori ni narai yatsu wa shine! Kore ga kono kuni no subete da! Kono shiro wa ore no shiro da! Yori niyotte, anna heboisha no hata nanzo kakageru nja ne ya! Shiro ga kusatchimau ze! ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ、そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも折ってやるぞ。そんなカバ旗なぞ。避けろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ！
それが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな。これは命を誓う旗だから、冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。Ouais bah du coup ce que je parlais, je pensais pas qu'il le montrait, donc ouais, du coup j'en ai parlé un peu tard, du coup j'ai un peu spoilé. Du coup ma gueule la prochaine fois, voilà, ça c'est beau. Bref, du coup, il reste un max. Et je peux encore l'augmenter avec ouais, toi. Bon, il doit bien y avoir un truc ici. Même pas. Déception. Oh bonjour Wapol. Comment on se retrouve? Bonjour. Donc voilà, donc Wapol il fait. C'est un énorme connard quoi, franchement. Voilà, rien à dire là-dessus quoi. Voilà. Je vous rappelle que c'est un mec quand même qui sait, qui a quand même, comment dire, laissé ses villageois alors que, enfin, ses habitants, hein, genre que c'est le roi ici, hein, pour se barrer avec les médecins alors qu'il y avait une attaque avec Barbe Noire. Un mec, un pirate méchant un peu quand même. Hein, un peu méchant Barbe Noire quand même. Bah, c'est pas le plus gentil des pirates, hein, Barbe Noire, hein, largement pas. Hein. Allez, voilà, merde. Maintenant, tu... Ah, Sanji. Bon, allez, Sanji. Ah ouais, Ikuso. Ouais. Ah, il est bientôt mort. Il est où? Parfait. Normalement, j'aurais d'avoir. Là. Il y avait Chopper. Oui. C'est fait? Ouais, c'est fait. Parfait! Qui était énervé un peu la fille. Donc voilà, après tout ce calme, Wapol est envoyé très très loin d'ici. On le reverra plus, ça c'est beau. Nami est presque soignée, Sanji est presque soigné aussi, donc tout va bien. Là, Luffy demande encore une fois à Chopper de venir avec eux. Mais il refuse. Ah, il refuse. Il dit que c'est un monstre, donc du coup il dit qu'il peut pas venir, tu vois. Mais là à gauche c'était Sanji. Parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même la colonne un peu détruite quand même, donc voilà. Niveau marche, c'est pas ça quoi. C'est triste. Oui, mais je serais capable de chialer là-dessus. Voilà. Je pense que si je vous renanime ce passage, je chiale. Je vous le dis direct, hein. Moi je suis un gros sensible de base, hein. Non, ne reste pas, viens avec nous. Oui. Voilà. Sauf que le fils s'en bat les couilles, hein. Il voit bien qu'il a envie, hein. Sanji, il est complètement mort. Oui, je brise un peu ce, voilà, ce moment triste, sinon je vais chialer, voilà. Plus direct. Voilà, moment encore plus triste. C'est-à-dire que Chopper va dire Dotokura que ben je vais le rejoindre. Il me veulent moi comme médecin. C'est génial, non? Parce qu'elle est pas très contente. Ah non, on n'a pas de sourire maintenant. Alors là, elle fait un peu comme du Dr. Evil Look à l'époque. Sauf qu'elle a pas un fusil, c'est juste qu'elle
Et elle essaie de l'énerver pour qu'il parte, tu vois. Voilà, et sauf que là maintenant c'est elle qui est énervée. Oui, parce que Dr. Kurira est un sacré caractère quand même, hein. Je vous ai pas dit, mais voilà. Là, elle lui balance des armes tout le temps, et ça c'est magnifique. Vite, on se casse, vite! Ouais, parce que Dr. Kurira est toujours pas d'accord, hein. Il poursuit en balançant des armes, voilà. Voilà. Alors ça c'est pas genre Père Noël, hein. C'est juste qu'il y a des cordes extrêmement larges qui servent de, comment dire, qui sert pour éteindre les cabines. Voilà, donc du coup il court dessus avec un traîneau derrière et ça c'est beau. Et ça c'est encore plus beau. Ça c'est les 30 ans de recherche de Hilolook. Voilà, ça sert à faire neiger du rose. Voilà, c'est pour ça que ce personnage, voilà, pèse dans mon cœur. Ouais, gros. Ah, Sanji est moi, un top mort. C'est magnifique, c'est beau. Encore une fois, je suis capable de chialer. Ah, là, je suis pas bien, non, au fort intérieur. Là, je suis pas stable, hein. Voilà. C'est beau. C'est beau. Avec la musique derrière qui va bien. C'est beau. C'est très très. Merde! J'ai pas fait le nombre de tués qu'il faut. Oh, faut que je refasse. Oh non. Oh non, j'ai pas envie. Est-ce que j'ai le reste? Si j'ai le reste, ça me va. Si j'ai le reste, ça me va. S'il vous plaît, dites-moi que c'est bon. Donc ouais, ça j'ai pas forcément vu qu'il faut tout le reste comme ça. Ok, tout va bien. Ok. Donc il faut juste oh merde. Il faut juste que je suis plus de Burston. Merde. Bref, c'est pas grave. Avec le Chopper, du coup le Chopper est maintenant jouable. Et ça c'est beau. Donc voilà, nous avons fini ce niveau. La semaine prochaine, si tout va bien. Si tout va bien, parce que, à force, je résume l'arc Alabasta. Pour ceux qui savent, ils savent que je vais galérer à mort. Déjà, j'ai galéré pour ce chapitre-là, alors celui-là, je ne dis pas. Donc voilà. Donc nous irons à Alabasta, même à Alubarna. Ça, c'est beau. Nous découvrirons un lien de parenté, enfin quelqu'un qui est parenté à Luffy. Nous découvrirons un ennemi qu'on a déjà rencontré, un nouvel ennemi qu'on va pas aimer. Et ça c'est beau. Bref, on se quitte là. J'espère que ces épisodes vous auront plu. On se retrouve donc la semaine prochaine, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien et donc à la semaine prochaine. Et oui, c'est beau. Oui, c'est bon. Je ferai grave un bon chanteur de Claude François. Hein? Oui, non, je le ferai. J'ai fait tout à l'heure, je le referai pas maintenant. C'est foutu. Oui, c'est foutu, oui. Non, je le refais. Bon, bref, ma gueule. Je fais n'importe quoi, c'est pour.